Salut à tous les copains, bienvenue sur la chaîne Nature Kite. On vous retrouve ici au Cap Vert, à Boavista. On a profité d'une journée où il y a des nuages, pas de vagues et pas de vent pour faire ce petit tuto. Bon, ça n'arrive jamais, donc du coup on pensait qu'on ne pourrait pas le faire. Mais voilà, on a l'opportunité de le faire. Ce tuto, il est spécialement dédié à la préparation, l'échauffement physique, qui est spécialement dédié à notre sport, le wingfoil. Ça tient en trois phases courtes. Je vous encourage à essayer ces trois phases pendant 4 à 6 semaines et vous verrez à quel point il y a du changement dans votre ressenti et dans l'efficacité de votre pratique. Première phase, c'est Ariane Imbert qui est l'entraîneur de l'équipe de France qui s'occupe donc de ses athlètes mais qui aussi elle fait ce genre de préparation pour elle-même pour s'entretenir. Elle va vous montrer tous les assouplissements qui sont propres à notre sport qui nous permettent d'avoir plus d'aisance et d'avoir ce sentiment d'être beaucoup mieux dans notre corps rapidement. Ça sont des assouplissements dans lesquels vous allez voir que la respiration joue un rôle important. La deuxième phase, cette première phase, on a dit pour que ce soit bien, vous allez voir, elle dure à peu près 7 minutes. Vous pouvez mettre le téléphone là avec vous, là vous foutez une petite musique qui va bien pour vous entraîner et vous suivez comme Véronique et Davina, la Tote Yote, l'aérobic des années je sais pas quoi là. Faites en même temps qu'elle et vous allez voir que comme ça vous faites les mêmes figures et vous allez voir qu'au bout de 4 à 6 semaines en pratiquant, je vous conseille ces deux fois à peu près 7 minutes par semaine sur 4 à 6 semaines, vous allez voir tout de suite le changement. La deuxième phase, elle aussi, il faudrait vous mettre un minimum de 2 séances par semaine de 7-8 minutes comme on va le voir pour sentir le changement relativement vite. Ça c'est une phase de gainage mais appropriée à ce qu'on fait. On a des besoins particuliers dans le maintien de notre tronc là. On passe notre vie à contrer ces phénomènes de torsion et de flexion et on n'a pas le gainage approprié. Et je vous encourage pour d'abord protéger votre dos mais aussi pour être plus efficace sur l'eau à faire le contenu de la séance qu'on va montrer. Et la troisième phase c'est je suis un peu comme vous de temps en temps mais j'essaye de ne pas le faire. C'est-à-dire que ça m'arrive de sortir de ma bagnole, je suis comme un dingue, je vois trois vagues, un coup de vent et je me le jette sur ma pompe, je pompe comme un dingue, je jette tout dans l'eau, je monte dessus et le premier machin qui passe, je suis une mauvaise figure. C'est assez débile et je le fais de moins en moins et les athlètes le font de moins en moins aussi. Ceux qui sont habitués à faire du sport ne le font jamais parce qu'ils savent bien que c'est destructeur à terme. Donc cette troisième phase c'est je sors de la bagnole, je gonfle mon matos, je prépare tout, je me mets en combi, mais là, je me donne 3 minutes avant d'aller à l'eau pour faire une toute petite séance d'échauffement. Donc on va voir qu'en 3 minutes, je ne vous la fais pas en 8 parce que vous ne le ferez pas, mais vraiment en 3 minutes, c'est promis, on arrive à échauffer les articulations qui travaillent le plus, à chauffer un petit peu la machine, on ne démarre pas à 8000 tours, là, une bagnole à froid, on casse tout. Là, c'est pareil pour nous. Donc comment on rentre un petit peu, comment on chauffe un peu la bête, les articulations et puis éviter de se péter, de se faire un mauvais claquage parce qu'on a un ischio qui lâche sur la première fois on se met à genoux sur la planche, on s'énerve un peu et bam ça casse, notamment l'hiver. Donc ça on va le voir. Ça a une fonction pour terminer qui est vachement importante, c'est que vous verrez que quand il fait vraiment froid l'hiver, quand on est moyennement chaud pour y aller, quand on part à froid dans sa combi, on se met sur l'eau, ça fait une session sur laquelle on commence par être très longtemps sur la défensive. Si on a fait 3 minutes de préparation en mettant un petit peu le corps en fonction, derrière ça on se sent beaucoup plus chaud dans la combi, c'est pour ça qu'on fait l'échauffement en combi et on part à l'eau avec déjà l'envie de partir dans cette eau même si elle est un peu froide parce qu'on n'est pas sur la défensive pour être agressif assez vite, donc on ne perd pas le début de la session. Allez, on regarde ça dans le détail. Alors Ariane, tu vas nous parler de cette phase 1 qui concerne les assouplissements et de la respiration qui va avec. Salut à tous, alors ouais, petite routine d'assouplissement histoire de se sentir bien dans son corps, moins raide et surtout de réoxygéner les muscles. Le placement de la respiration va être hyper important. À l'inspiration, je vais inspirer par le nez et je vais me forcer à gonfler mon ventre. Pour gonfler les poumons maximum et pour expirer, je vais souffler par la bouche en mettant de l'énergie comme ça d'un coup. Voilà, alors je vais vous montrer ma petite routine qu'on fait avec certains athlètes quasiment tous les jours. J'inspire.
c'était une première phase pour se mettre bien. Ensuite, dans les assouplissements qui nous servent beaucoup pour la week, ben, je vais vous les montrer. Je vous invite à les faire en même temps. Chachamo. Là, je vide mon air au maximum et je vais faire le dos rond. Et je prends au maximum, je prends de l'air au maximum. Inspiration, max. Merci Ariane. Donc, je vois au compteur que ça nous a pris donc 4 minutes. Tu penses qu'il faut faire cette phase là, si on veut, on la fait deux fois et ça nous fait 8 minutes, c'est suffisant si on fait ça deux fois par semaine? Ouais, carrément, et si vous êtes motivé, vous pouvez le faire tous les jours, au réveil, le soir avant d'aller vous coucher, après un exercice physique, quand vous sentez un petit peu des raideurs, vos muscles qui sont vraiment contractés ou des douleurs dans le dos, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Merci beaucoup Ariane, on va passer à la phase 2. La phase 2, moi je vous conseille de la faire, elle ne va pas durer longtemps non plus. Elle va durer, faut qu'elle dure 6-7 minutes pour pas que ce soit rébarbatif et que vous la fassiez deux fois par semaine. Je vous conseille deux trucs. Première chose, mettez-vous un fond de musique sur votre téléphone. Sans déconner, ça aide à avoir d'abord à faire le truc en rythme, donc ça vous impose un rythme. Et c'est quand même plus fun. Le deuxième truc, un peu de flotte. Essayez de boire entre les séries, c'est super important. Alors, vous n'êtes pas obligé de venir au Cap-Vert pour aller chercher de la Trinidad. Hein, on a ce qu'il faut chez nous. Mais boire, c'est quand même vachement important dans ces phases-là. Parce que vous allez transpirer un petit peu, on boit avant, pendant et après. On démarre.
Ariane à ma droite, 64 kilos, catégorie des super... Non, je déconne. Et Chloé à ma gauche. on va démarrer, vous êtes prêtes les filles? Allez, on démarre les premiers. Genoux joints, chevilles qui se touchent, on s'équilibre. Nous, on va toujours travailler du gainage dynamique parce que ce dont on a besoin sur l'eau, bah, c'est de travailler en dynamique. Donc, c'est important de travailler en mettant les muscles dans l'effort, mais toujours dans le déséquilibre, d'accord? Donc, on s'équilibre avec les mains, on joint. Moi, je vais faire des séries de 10 et sur chacun des mouvements, faire des séries de 10. Vous pouvez faire des séries de 5 quand vous démarrez, les premières séances parce que c'est moins dur. Puis après, vous ferez des séries de 10, puis des séries de 15, d'accord? Le but, c'est de faire 4 séries et que ça vous prenne à peu près 6-7 minutes, d'accord? C'est ça le but. On va enchaîner tous les mouvements et puis on se reparle après, d'accord? D'abord, les mouvements où on commence ici avec un peu d'équilibre, on tient sur les fesses, on serre et on y va pour 10. Là, 1, 2, 3, 4, on souffle, 5, 6, 7, 8, 9, on va enchaîner, on serre abdos de boxeur, les talons sous les fesses, les bras derrière la nuque et on y va tout droit, 4 devant, 1, 2, on vient poser la tête, 3, 4, après à droite, 3, 1, 2, 3, à gauche 3, 1, 2, 3, le bassin qui monte, le talon bien sous les fesses, les mains à plat, on va monter le buste vers le ciel le plus. Ça, c'est une phase de récupération. 2, 3, 4, 5, 6, on tire le maximum vers le ciel. 7, 8, 9, 10, on repasse à plat sur les fesses. Ici, on va avoir le même mouvement, mais on va essayer de monter, descendre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on les croise. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un genou, le talon sur le genou, les mains bien sur le sol et on va décaler le bassin au max. On monte le bassin et on tire là, à gauche. Et 2, 3, 4, 5, 6, de plus en plus d'amplitude. 7, 8, 9, 10, on change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va passer à plat ventre. Mes danseuses du Crazy Horse viennent avec moi. Magnifique. Allez, gainage dynamique. Ici, on va avoir le genou qui monte au coude. On commence à droite. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, on souffle, 9, 10, et l'autre, 1, 2, 3, 4, on peut monter de plus en plus loin, amplitude du mouvement maximum, 9, 10 maintenant en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 côté à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à gauche, 1, 2, jambes tendues, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose là. Regardez maintenant qu'on est fatigué. D'abord, on monte une jambe. Essayez de me monter un bras. 1, 2, 3, 4, 5 avec le sourire. On pose l'autre. D'abord, la jambe et le bras. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on se pose les fesses, on respire. Ça, c'était une série. Idéalement, si vous en faites deux comme ça, ça fait 6 minutes et ça, c'est parfait. Deux fois, c'est
6 minutes par semaine, et ça pendant 4 semaines. J'ai l'impression d'être le docteur Yubi qui fait une prescription. Bon, vous allez voir, ça change tout, donc ça c'est tout bien. Pensez à respirer et pensez à boire. On filme la phase 3 qui est juste avant l'entrée dans l'eau et on en a fini. Alors c'est la troisième phase, cette phase dans laquelle ben, on est sorti de la bagnole, on va aller dans l'eau dans 3 minutes, on a 3 minutes pour se chauffer. On va faire découper en 3 fois une minute. Donc, t'as préparé le terrain, j'ai vu là, c'est exactement, bon, c'est bon. Bien toi Jadou, alors Jadou elle a 7 ans mais elle fait de la wing, hein, donc elle est concernée hein, immédiatement. Hein. Elle a fait ses premiers bords aussi en kite hier, c'est pas si mal. Donc elle est concernée. On essaye d'y aller ensemble hein, parce que sinon on a dit qu'il n'y aurait pas de tombée de glace, donc il faut que ça synchro quoi, ok. Première chose importante, cette phase 1, c'est qu'on va trottiner juste sur place pour chauffer. Allez, on trottine tout bêtement. Ouais, exactement, il y a Chloé qui nous fait le mouvement de sandales. Très bien. Allez, maintenant en avant, en arrière, regardez les pieds. Là, là. Essayez de le faire en souplesse, ça ne doit pas faire floc-floc, mais plutôt pas de velours. Voilà. Allez, on croise les jambes. Chaleur dans la combi, ça donne envie d'y aller, même l'hiver. Ok, sur place, on met un peu plus de cadence. On fait monter le cardio, on lève un peu les genoux, genoux, bijoux, genoux, bijoux, boux, talons. Allez, plus vite. Allez, allez, on y va. Un petit peu les articulations, les muscles du cou, important. Allez, on y va. Avant, en arrière. Comme à l'école. Même en sixième, ils vous apprennent ça. Gauche, droite. À la Regemann. Ok, les épaules, doucement. Engourdi déjà, on est moins pourri. Un petit coup d'arrière. Ok. On envoie les coudes devant, dessous, par-dessus, par-dessous. Comme les flèches des gilles, parsemer le pétale de Roussel. Ok. On y va. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de travailler un petit peu le bassin. Allez. On tourne. L'autre côté. Rotation, on va aller chercher un peu derrière. Jambes bloquées ici, et là on va chercher avec la tête un peu loin derrière. Voilà, on va aller chercher de plus en plus loin, tout doucement, avec les longs des bras. Allez. Ok. Après, on va faire la partie des cuisses, le vaste externe. On a le quadriceps à échauffer, donc on va commencer par allez, quelques squats. Doucement d'abord. Jusqu'à 90, 90 après les jambes, et après on en fait 10 beaucoup plus vite. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant on va tirer un petit peu. Regardez, ici en flexion, la pointe de pied, la jambe tendue, pointe de pied vers le haut, ça regarde le ciel. Là on bouge plus. Au fur et à mesure, on peut descendre un petit peu sur le talon, revenir, avoir la jambe bien droite. Là, ischio, adducteur, abducteur qui travaille, le poids, la pointe de pied revient vers l'avant, regardez. Là. Ça, c'est un mouvement qu'on fait beaucoup quand on commence à monter à genoux sur la wing. À froid, c'est horrible, d'accord. Là, bien sûr, la même chose de l'autre côté. Ici. Magnifique, jambes tendues, c'est encore plus joli. Pointe de pied vers l'avant. Là. Pas mal Jadou, sauf que t'as le pied inversé. Pas de glace pour Jadou ce soir. Non, ok, quand on a fait ça, on peut se remettre debout.
essayez de vous mettre ici en fente avec le talon qui touche derrière, jambe arrière tendue. On ne tire pas comme un mulet, mais il faut juste réussir à déplier complètement sa jambe et à tirer un tout petit peu sur ce mollet. Allez, on inverse. Ouais. Ok. Quand on est bien chaud, comme le dit Jade, avant de passer aux chevilles, squat à une jambe, parce qu'on fait beaucoup de proprio sur un pied à chaque fois qu'on fait virement ou jive. Allez, on essaie de descendre. 2, 3, de plus en plus bas. 4, et la dernière, on finit tout en bas. 5, pareil. On y va. 1, de plus en plus bas. 2, 3, on a toujours une jambe qui va mieux que l'autre. 4, et à fond. 5, et on remonte. Parfait. Les chevilles. Regardez, les chevilles, dans un sens et dans l'autre. Ça, c'est pour ceux qui restent les pieds coincés dans le strap au premier virement. L'autre. Ok. Les poignets. Et on en aura bientôt terminé. Et quand on a fait nos 10 secondes de poignets, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, Arthur et Jeanne? On a le droit d'aller où? Dans l'eau. Mais dans l'eau, exactement. Ça prend 3 minutes quand on le fait sérieusement à votre rythme. Et après, on va dans l'eau. Je peux aller dans l'eau. À bientôt, ciao. Je vais dans l'eau. Bon, ben, on en a fini avec ces 3 phases. Essayez ce petit programme. On ne voit rien que le bruit des vagues là. Il faut y aller parce que c'est en train, le swell arrive. Essayez vraiment ce petit programme, au moins 4 semaines sans réfléchir. Je vous promets que vous allez ressentir les bienfaits même avant vos 4 semaines, mais allez au bout des 4. Je vous promets que tout va vous sembler plus facile, mais que ce soit du réveil au coucher et surtout sur l'eau. On fait un petit bilan ensemble si vous voulez là-dessus, et vers le printemps, vous allez tout déchirer. A bientôt les copains, salut Ariane, salut Jadou. Ciao, ciao. Salut.